Salut, je vous ce vlog avec une petite collation d'11 h. Je suis en plein montage, mon siège est là parce que j'aime bien m'éloigner quand je regarde le résultat final. Et c'est parti! Je vous retrouve un petit peu plus tard, de face et prête. J'étais en train de... j'ai terminé le montage, il est 13 h, je ne vais pas tarder à manger. Je me suis bien avancée, je suis en train de, de défaire le lave-vaisselle, le re-remplir, bref, faire un petit peu de choses pour la maison. Hein. À un moment donné, il faut le faire aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier, ce qui veut dire que c'est l'anniversaire d'Eric. Bon là, il est au lycée. Pour son cadeau, vu que, après, le pauvre, c'est chiant, les gens qui sont nés aux alentours de Noël, je trouve ça pas cool qu'il ait pas de cadeau. Comme, on va dire qu'il a quasiment changé d'ordinateur et ça a un coût. J'ai d'ailleurs pas encore payé la deuxième partie, je dois le faire là. Je vais quand même aller lui acheter un petit cadeau, je pense qu'il s'y attend pas. J'ai peut-être une idée, j'irai à Leclerc tout à l'heure. Mais regardez-moi ça d'abord. J'ai reçu 2 paquets. Je pense et j'espère que parmi les deux, il y a ma commande Sephora. J'attendais les soldes. J'ai pris des trucs sympas, ça faisait un moment que je voulais les prendre. Et My Little Box. Alors ça, c'est autre chose. Comme je vous ai déjà dit, quand j'en sois My Little Box, il faut que je la tourne le jour même. C'est pour la chaîne des box, donc ça risque d'être, ça va être chaud, showtime un petit peu. Donc on va déjà regarder ensemble ma commande. Ce serait pas un petit logo, c'est faux hein? On va voir. Ah il me faut les ciseaux. Ah en fait ma brûlure. Bon on la voit encore, hein. Mais j'ai plus mal. Mais il y a la marque. Hop, c'est tout ce que vous verrez. Ça me paraît grand quand même. Alors, on est sur quoi? Sephora. Ah ouais, ok, donc c'est qu'en fait, il y a plein de trucs comme ça. Plein. Et voilà. Je vais reprendre face, je pense que c'est plus cool. Voilà, vous avez vu le carton par rapport au sachet. Donc, j'annonce, si tout est là, si je me souviens bien, j'ai une palette. Mais pas une palette genre Huda Beauty, tout ça, je crois que c'est une palette Sephora qui était vraiment en promo. Hein. Une belle promo. J'ai... alors c'est un rouge à lèvres qui fait plutôt gloss, moi j'aime bien, des rosés très clairs. Un gel visage qui va te donner bonne mine, chose assez nécessaire pour moi. Je suis en train de me dire, alors je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais je me suis mis un bout de verre dans le doigt à cause d'Eric. J'étais en train de nettoyer mon plan de travail et je fais merde, un gros bout de verre. Et Eric fait « Ah oui, j'ai pété un verre, je te l'ai pas dit, mais j'avais tout nettoyé. » Je fais « T'es sérieux? T'avais rien nettoyé? Il y en avait partout. » Je fais « Mais t'as conscience que, parce qu'il y en a partout, que Jackie marche à 4 pattes ?» Moi non, quoique il y a 5 jours, j'étais un petit peu à 4 pattes avec ma sciatique. Mais non, dis-le quoi. Et j'ai dû repasser tout l'aspi, alors que j'ai pas trop le droit de passer l'aspi après une séance d'ostéo. Mais je l'ai fait. Bref, tout ça pour dire que, ça picote. Je me suis ouvert le doigt. Sephora Pro palette. Je crois qu'elle est passée à... Enfin bon, il y avait une très belle promo. 20 euros, je crois. Elle est belle. Waouh. Voilà. Franchement, elle est très très belle. Donc ça, plastique. Et les couleurs. Alors, c'est des couleurs chaudes. Parfait, hein, quand tu as les yeux bleus. Il faut savoir que les yeux bleus, donc, comme les yeux verts, tu peux pas tout porter, contrairement aux yeux marrons. Moi, je suis vraiment dans ça. Dans le code couleur, on va dire chrominance. Le miroir est super grand. Oh, je l'aime beaucoup cette palette. J'ai hâte de voir. Je vais regarder juste. Je vais en tester un comme ça. On se le met là. 1, 2, 3. Ok. Pas mal. J'ai hâte demain, je me maquille avec. Ensuite, je me suis pris ce kit. C'est une petite palette Zoeva Sweet Glamour. Je cherchais un blush. Moi, rosé, j'aime bien tendre parce que ma palette... que j'avais acheté pour tester chez Action. Franchement, j'aime pas. Elle sent pas très bon. Je sais pas. Et voilà. On est carrément dans les couleurs que j'aime. Très clair, un peu plus foncé. Et nous avons également un highlight. Ce qui est pas négligeable, plutôt dans les tons blancs. Hein, plutôt. Zoeva, si jamais ça vous dit. Peut-être me la mettre juste après. Vous verrez comme ça. Ensuite, le fameux produit qui va venir un petit peu normalement donner bonne mine à mon teint. Givenchy, Mister Healthy Glow Gel. Ça se présente comme ceci. Et il me semble, oui, je l'avais vu en échantillon, j'avais vraiment aimé. De plus près, c'est comme ça. C'est comme des petites bulles et au contact de la peau, ça va venir donner
C'est un gel, voilà, un gel bonne mine. Pareil, je teste, je vous en parle. Ensuite, il me reste deux produits. C'est le Voyeur Waterproof un liner. Donc, j'aime bien tester les eyeliners noirs de la marque Hourglass. Très chic. Laminé comme ceci, comme je préfère. Vous voyez, c'est un peu... Je l'enlève. Très précis, très intense. À voir comment ça va évoluer quand même. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Et à chaque fois, c'est marrant parce que quand tu as le droit à, par exemple, 3 échantillons, tu les choisis. C'est jamais ce qui arrive. Ah ben non, c'est en fonction des stocks disponibles. Et enfin, the last one. Ceci, le rouge à lèvres plutôt baume by Terry. Comme ça. Ça aurait été bien que je peaufine un peu mon vernis d'avoir fait le ménage. Ça a tout déglingué. Oh là 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 là. C'est exactement mes couleurs. J'espère que ça va quand même être... Ça va quand même se voir le rosé. Hein. Allez-vous voir la subtilité du rose. C'est vraiment... Il n'y a pas de miroir. De toute façon, moi, les rouges à lèvres, en général, j'arrive à les appliquer. Moi, j'aime bien, mais ça fait pas un peu retour de ski. J'ai peut-être trop mis. Bref, j'aime bien. De toute façon, voilà. Si je le laisse pas comme ça tout seul, je peux le mettre avec un rose... En le rajoutant dessus, ça va donner l'effet, je suis persuadée, escompté. Voilà pour mes petits achats. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Et je suis surtout contente parce que c'est arrivé quand même très très vite. Alors là, hâte de découvrir ça demain. Sur ce, ben... Ah ben non, 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 tu vois, hein, j'allais reprendre des mauvaises habitudes, j'allais oublier de manger. Je mange, j'ai mon petit sandwich, là, je me suis pris rapidement, je prends mon petit produit, je prends mon médoc, hein, parce que c'est tous les jours... pendant le repas. Et bah, je présente ça avec mon nouveau fond que je vais inaugurer. Je ne l'ai pas encore testé, le fond de vidéo. Sandwich poulet, fromage frais, une valeur sûre, excellent. Et puis bah, ça, hein, mon petit médoc. Et en général, c'est le troisième jour quand je prends des médicaments à base de fer que j'ai une réaction. Mais il m'a dit, c'est tout petit petit, c'est micro-dosé. Au pire, vous prenez un jour sur deux. J'espère que ça va aller pas mal, hein. Je trouve que ça va bien, moi, les roses, comme ça. Peut-être qu'il est un peu clair, peut-être. Mais comme je vous dis, je vais rehausser avec autre chose, je pense. On va inaugurer tout ça. Faut vraiment que je demande à Eric, parce que qu'il me le répare. Elle a bugué la porte coulissante. Me voilà prête. Non, en fait, non, je dis des bêtises. On va se mettre un petit peu de blush. Salut à tous, c'est Caroline pour la chaîne des Bourses, je vous retrouve. J'ai hyper bien avancé, ça upload tranquillement, la vidéo m'a l'air très correcte. Je suis dans les temps, il est que 3h et quelques. Je vais goûter et Jackie aussi. J'ai vraiment la faculté, on peut même parler de dons, à m'étaler hein, en très peu de temps. Il y en a partout, voilà. Bon, c'est pas grave, ça va vite se ranger, je vais tout mettre dans le carton et puis bah, je vais monter le reste. Le goûter de compète, la banane, le chocolat, les amandes. Et peut-être un peu de carotte, enfin de jus de carotte. Ça, c'est pour la vitamine. Si vous aimez le gingembre, qui fait un peu gingembre confit, c'est merveilleux. C'est une explosion en bouche, très particulier. Moi, perso, j'aime beaucoup. Et je trouve que 1, 2, 3, enfin, c'est à sauce, ça marche très très bien. Je me pose, je parle pas trop fort parce qu'Eric est là. Je vais à Leclerc, comme je vous ai dit, pour lui acheter un petit cadeau. Je pense, je vais à l'espace. Alors hier je lui ai suggéré s'il voulait qu'on aille au resto ce soir. Il m'a dit bah je sais pas, ce sera en fonction de mon état. C'est vrai que le vendredi en général il est naze. On verra bien s'il me dit c'est ok. Moi j'avoue que je suis un peu naze broc aussi. Je me remets doucement mais bon s'il a envie on fera. Sinon demain on verra, c'est pas bien grave. Je vais lui prendre une enceinte Bluetooth Marshall. Elles sont super belles. En plus bah, lui il a les vraies vu qu'il est quand même musicien aussi. Je vais regarder quand même à tout hasard s'il n'y a pas un truc sur les sciences quantiques et blablabla. Nous y sommes, voilà ce que je compte lui prendre. Il a flashé sur celle-ci. Il me semble que c'est celle-là. Elle est sympa, hein. Elle n'est pas donnée. Enceinte, nomade et Bluetooth. Ah ouais, si. Bluetooth, je sais pas ce que ça vaut. Elle est belle, elle est vraiment belle à prendre à celle-là également.
Alors, je suis mal. Parce qu'il m'a dit non, la Marshall, laisse tomber, elle ne marchera pas si on a déjà la Google Home. Bref. Donc, je peux pas la prendre. Et résultat, j'ai mis sa poubelle, mais j'ai rien d'autre. Un clavier, une souris, un casque, il a déjà tout. Je vais atterrir chez Darty, mais j'en sais rien. C'est vrai qu'il voulait vraiment une enceinte, mais apparemment, c'est pas accessible avec l'autre. Alors, je vous montre ce modèle-ci, éventuellement la seule qui serait connectée Google, mais elle est masquée, je trouve. À ce stade du jeu, je n'ai rien parce que elle est bien. Hein, c'est la seule en fait enceinte où c'est connecté avec Google Home, parce qu'il y a plein d'enceintes dedans. Et le son, il serait top, mais je trouve que c'est cher, c'est ma stock, je suis pas certaine que... Enfin si, ça lui plairait, mais bon. Mais j'aime pas, moi, pas lui de faire de petits cadeaux. Faut que je me concentre. Bon, allez, je vais lui prendre. Ah, c'est cool, avec le petit papier et tout. Et je suis pas mécontente. Il est parti, je vous l'avais dit. Il est parti faire sa sieste. Je crois qu'il s'est même pas rendu compte que j'étais partie. On va attendre qu'il se réveille. Sinon, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié le sapin. Bon, c'est pas grave, on est le 10. J'enlèverai demain. Et puis, quoi d'autre? Non, je crois que c'est pas mal. Hein. Pour ce soir, on verra. Alors, j'ai une nouvelle. Je suis montée voir. Il a même pas vu que j'étais partie. Il est tombé comme une masse. Bon, il est quoi? Il est presque 6 heures. Tout est prêt. Je vais fermer les volets et puis je vais attendre tranquillement qu'ils descendent. Attention, il donne un peu. Quand il veut, hein. Il est reparti dans son bureau. Bon anniversaire! Il a pas vu. Je vous dis, il se lever. Il a pas vu. T'arrives pas à ouvrir tes yeux? Non. T'as pas vu qu'il y a un truc qui est posé sur la table? C'est que ça. Enfin, un cadeau, quand même, encore. Peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. T'as pas pris la... T'as pris la Google Docs? Oui. La folle. Alors, l'enceinte, je pense qu'elle va aller là. Ça fait plutôt pas mal. J'avais peur que ce soit grossier, là c'est en train de se charger, il est en train de mettre le code pour qu'on ait 10 heures pendant au moins 4 mois, gratuitement. Après je vais tout réinstaller, ça bien sûr je vais mettre ailleurs, mais pour l'instant c'est bien et on n'a pas encore découvert le son. Parce que c'est ça qui est important, c'est la qualité. Alors, écoutez, il était très content comme vous avez vu, on l'a testé forcément, on a mis de la musique. Et avec YouTube, on ne peut pas mettre de musique. Donc on s'est tapé un petit délire tous les deux, à danser, à mettre des titres bien cool, les Doors... bref, des trucs sympas. Et comme lui, comme moi, mais surtout lui, là, il m'a dit, je me sens pas de sortir et tout, est-ce que demain peut-être et tout. Mais oui, il n'y a pas de souci. Donc, on se pose, on regarde notre série, on mange tranquillou. Et je pense qu'on fera ça demain. Voilà, d'ailleurs, en parlant, il faut absolument que je vous le dise. Nous avons regardé, c'était il y a carrément à sa sortie sur Netflix, une série absolument dingue, je me suis pris une claque, tellement elle est puissante, c'est la série Messia. Franchement, allez-y. Elle est tellement différente et waouh, je vous dis, elle est exceptionnelle et bluffante. Voilà, sur ce, je vais clôturer maintenant ce vlog, on va se mater tous les deux un petit truc, gentiment, grignoter, là c'est en train de cramer. Et on se retrouve demain. Je suis désolée pour la luminosité, mais là... C'est les petites lumières comme ça du soir. Je vous embrasse. Et en fait, merci, je viens de voir vos retours sur la vidéo d'hier, mon retour justement. Et ça vous fait plaisir? Moi aussi. Allez, salut!